les salles partent en sucette. Entre les meufs qui veulent attraper des soi-disant pervers, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux plus regarder une meuf. Tu regardes, ah, un pervers. Voilà, c'est, on arrive à un stade, voilà. Un homme ne peut pas regarder une femme. Entre les gens qui viennent et qui sont vénères parce que tu passes devant leur caméra, c'est, entre les filles qui viennent pour tourner du contenu OnlyFans. Out in peace anymore, dude. It's feral, feral, feral. Feral, feral, feral. I can't come to a public gym, dude. I literally saw her in the mirror, looking my direction. Oh, man. There's so many creeps nowadays. I'm just trying to catch a pump, and this girl keeps awfully staring at me, making me feel like a piece of meat. I don't care if my shirt's off or not. I'm saying something at this point. Ma'am, I'm not a piece of meat. You can't just stare at me in the gym like that. I don't care if I'm your... A trainer at a local gym that I train at, Onyx, sent me this video saying this girl came in under a fake name to film stretching videos, then proceeded to do this. It made all the trainers and all their clients very uncomfortable. So I sent this to the owner, Griff, who's a good friend of mine, and was very happy to see his response, that this was disgusting, and he immediately left his meeting to kick her out. Her response? To sarcastically post this and continue to say that it was just stretching, but when you go to her page, you see that she posts content just like this in busy commercial gyms to promote her OnlyFans. Nothing against OnlyFans, make money how you want, but this content has no place in the gym. More gyms need to start taking action like Onyx to kick creators out, male or female, that make content like this. So to this young woman, have some self-respect. And if you can't have self-respect, at least have respect for the people around you at the gym. You need to do better. Mind your own business. Donc le gars que tu viens de voir, il s'appelle Joey Swole. Et en gros, il reprend toutes les tiktokeuses là, qui veulent avoir l'attention et qui essaient soi-disant d'attraper un pervers et les expose, tu vois. Et comme ça, il arrive à faire de façon à ce que les meufs elles perdent leur abonnement, tu vois. C'est comme ça qu'il faut faire. Faire les gens assumer et arrêter de accepter leur feeling comme un fait. Le gars te regarde, ah, je me sens violé. Alors que le gars l'a regardé comme ça. Faut arrêter, tu vois. Donc elle continue à faire des blagues. Les gars, je faisais juste des étirements. Calmez-vous, les gars. C'est vrai que c'est un petit peu sexy, mais voilà quoi. Si vous étiez pas des pervers, bon, elle a pas dit ça, mais ce qu'elle voulait dire un peu. Si vous étiez pas des pervers, parce que tu. Elle joue avec ça. Don't walk past my video, bro. Bruh, don't walk past my video, bro. I said I'm recording right here, bro. Walk past my shit. Just want to give an update to this video from a couple days ago where this man puts his hands on someone for walking through his video. It is never okay to put your hands on someone for something like this at the gym or anywhere. A lot of you were asking what happened to this man. So I called this gym, LA Fitness in Kearney, New Jersey. I spoke to their staff, great people, huge supporters of what I do. This man's membership has been revoked and he is no longer able to step foot in an LA Fitness. So thank you, LA Fitness in Kearney, New Jersey. To this man, I truly hope that you learn to do better and control yourself before you join another gym. Thank you everyone for all your support. Have an amazing, amazing weekend. Gars, pour moi, les gens sont fous. Gars. Les gens sont fous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau. Est-ce que c'est BFM? Je ne sais pas. C'est quoi le... Mais les gens sont fous. En plus, le gars, il est déjà passé. Le gars, il est déjà passé. En fait, tu l'as fait passer deux fois devant la caméra. Il est passé une fois, tu l'as fait repasser une deuxième fois. En plus, tu es filmé pourquoi? Tu ne m'as pas l'air de vouloir créer un business. Hein, tu ne m'as pas l'air d'être un... Voilà. Ton corps éclaté là. Non mais voilà, mais ça m'énerve, ça m'énerve. Pourquoi tu t'es agressif comme ça avec les gens? Tu veux avoir l'attention comme les meufs? Qu'est-ce que tu veux? Abonnement révoqué. Okay, so this is me in my like second set, and I see what's about to happen, but I just keep working out for a second. Pay attention to where your place is belonging. No, I'm working out right here. You want to do that? Then you want right here. I have no choice. That's right. Do what you have to do. No, you're in my space. I'm not in your space. This machine is...
At this point, I'm super aggravated because the sweat dripping in my eyes burning. He disturbed me in the middle of his set and I got asthma, so I couldn't even defend my little corner. And then he was like, do what you gotta do. What's that mean, sir? So you're upset with this man because you say he's in your personal space. I'm sorry. You don't get to set your tripod up to film next to a machine and call that your personal space. That man has every right to use that machine and that space. And he even moves his bag back to not be in your video. Then you go tell him that he should go use the other machine, which he explains doesn't work right. But who do you think you are to tell someone what machines they can't or can't use? Then you go and support comments like this saying, it's because this man is white? Seriously? No, it's because you're entitled and you think you own the gym, which you don't, and you think you're a victim, which you're not. You need to do better. Mind your own business. Tu vois, ça confirme. Ça confirme ma théorie que les gens sont fous. Les gens sont complètement tarés. Donc le gars, là, maintenant, il ne peut pas utiliser la machine parce que toi, tu as mis une caméra et c'est ton espace personnel. Donc elle, du coup, elle a privatisé cette partie. Il y a la machine. Non, tu peux... Non, la machine, oui, mais bon, non, tu peux pas, tu vas ailleurs. Je t'ai dit, les gens sont fous. C'est je ne vois pas quelle autre théorie. Essaye de m'aider en commentaire, mais je ne vois pas. Pour moi, c'est la folie, quoi. Donc l'autre, elle a décidé que, voilà, ben, maintenant, c'était plus un lieu public. C'est son espace personnel. Voilà, ben, c'est comme ça. So you're upset that this man comes into the studio while you're filming yourself practicing posing. Well, this studio is meant for group classes, and when it's not being used for that, it's for everybody. Anybody can use it. People go in there to stretch, to warm up, to foam roll. Just because you're filming yourself doesn't mean you get to tell people when or where they get to use it. You don't own it. And then you arrogantly say, I hope you got a good look, hun, as if this guy is staring at you being a gym creep. I watched this video several times. He doesn't even look at you once. But you know what I find funny? You know exactly how long he foam rolled for, what he was doing after, and you're filming him to post on social media to shame him for likes and attention. And you think he's the creep in this video? Really? So Pumps Gym in Norwich, England, I hope you see this, and I hope you kick her ass out. She doesn't belong. You need to do better. Mind your own business. Non mais la meuf, elle ose dire « J'espère que tu t'es bien régalé les yeux. » Non mais le gars, il t'a même pas regardé une seule fois. T'es en train de poser, t'es en train de montrer tes fesses devant le miroir, machin. Mais je comprends pas ces gens. En plus, tu fais du posing dans le but que les gens te regardent. T'essaies de caler tes fesses pour voir là, est-ce que c'est une bonne position qui puisse bien évaluer mes fesses. Et en plus, il t'a même pas regardé. Ah, c'est peut-être ça qui t'a énervé. Peut-être c'est ça qui t'a énervé. La vérité, c'est que t'es juste vénère parce que t'as voulu faire une vidéo et le gars, il est venu dans ta vidéo. Mais c'est pas chez toi. Enfin, à un moment donné, tu crois parce que... Moi, j'ai l'impression, dans leur tête, elles se disent, je pose la caméra, boum, espace privatisé. Ben non, c'est pas parce que t'as posé une caméra que tout d'un coup, le public devient un lieu privatisé. Le gars, il a le droit de faire ce qu'il veut, même s'il veut regarder après son portable. En plus, peut-être qu'il l'a fait exprès parce que ça l'énerve que tu poses ta caméra dans un lieu public, peut-être. On sait pas. Donc, comme t'es vénère et que t'as aucun argument tangible, tu joues la carte de « oui, c'est un pervers », voilà, même si t'as pas regardé. T'imagines le niveau. Le niveau, ça veut dire que le gars, il l'a jamais regardé une seule fois. Elle a réussi à faire le... sous-entendre c'est un pervers, j'espère que tu t'es régalé. Oh, t'es juste vénère parce qu'il est venu dans ta vidéo. Ah, mais c'est pas chez toi chérie, t'as pas de miroir chez toi. Surtout que toutes ces bêtises, vu qu'on est dans une société matriarcale, ça peut avoir un impact. Le gars peut perdre son job, etc. quoi. Donc c'est pas juste des blagues, c'est pas juste un jeu. These two girls grabbed my butt in the gym, then laughed at me when I got upset. They tried to act like I was tripping when I wasn't okay with it. This is absolutely disgusting behavior by these two women.
This should never happen to anyone, man or woman, whether at the gym or anywhere. But I want you to notice something. After they grab him and he gets visibly upset, what do the other two men do? They start to laugh. And I know a lot of men can relate to this because this has happened to me many times. The most recent one at a local bar. When I went to tell my friends what happened, they laughed at me too. No one should ever put their hands on you like this. But I will give a shout out to this gym, Club 4, because after seeing the security footage, they immediately banned those two women for life. So thank you. To the young man in this video, Jonas, I am so sorry this happened. You look incredible, brother. Keep up the hard work. Everyone go show him some love. And to the two young women in this video, you need to do better. Keep your hands to yourself and mind your own business. Toi, tu fais ça une meuf, alors déjà tu te prends une gifle, sûrement, insulte, garde à vue, prison, enfin, tu te prends la totale quoi. Plus accès directement à la salle, bon, elles aussi, elles ont perdu leur accès, mais c'est parce que le gars Joey, là, il a intervenu. Toi, il y a la police qui vient te chercher, hein. Donc vous voyez l'égalité, voilà, bah faut assumer. Il y a des hommes, ça va peut-être pas les déranger, ils vont pas faire toute une histoire, il y en a, ils vont pas aimer, ils vont pas vouloir. Et voilà, mais de toute façon, t'as pas à faire ça. De toute façon, à un moment donné, moi je m'en bats les reins. Enfin, faut pas être un peu exagéré, hein, parce que j'ai dit ça maintenant que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Mais même si je m'en bats un petit peu les reins au fond, mais voilà, comme font un petit peu les intéressantes, je vais faire le mec. Le parfum matriarcal, elle rentre dans mon espace personnel, c'est pas bien. Bah oui. Allô, bah oui. Filming your ass for the entire internet to see, but you're upset a guy walking by looks in to see what you're doing? How does that even make sense? This nonsense needs to stop. You're in a shared space, the gym, you have a tripod set up, you're posing. People are going to look at you. This does not make that man a gym creep. But let me guess, if he would have looked and liked your post online, you'd be okay with it. You need to do better. Mind your own business. En plus, le gars, il est super loin. Enfin, il a regardé, enfin, à aucun moment il a pu voir tes fesses de là où il est. En plus, t'es même pas, t'es en face de lui, enfin. Il a juste regardé parce qu'il a vu quelqu'un au loin dans la salle voilà, de groupe. Il a regardé comme ça, tiens, il y a qui, hein, voilà. Il dit, juste, et là, il fait genre, oh, j'en peux plus. Non, mais l'ego, il est surdimensionné. C'est incroyable. Là, mais il faut arrêter. Là, il va falloir faire redescendre les gens parce que là, ça va trop loin. Là. Donc, tu poses tes fesses sur Internet, mais juste le fait que tu penses que le gars, en fait, tu sous-entends que le gars, il a regardé tes fesses alors que le gars est super loin, il voit rien du tout là où il est. Tu veux essayer de faire genre, hein, c'est un pervers, tu sous-entends, ah, ça t'énerve, ah, ça m'énerve. Il m'a regardé, mais comment il ose me regarder? Comment il ose me regarder? Non, mais on arrive à un niveau, mais les gars, tu te rends compte? Donc, un gars qui paye 9,99€ pour regarder tes fesses sur OnlyFans, ça c'est bien, pas pervers. Par contre, si jamais il regarde quand t'es à la salle, là, c'est pervers. Et j'ai envie de te dire, on va parler vrai, je vais le dire, personne n'ose le dire, mais moi je vais le dire, c'est pas grave, toujours Joe qui prend les risques. Je vais le dire, et même si on regarde tes fesses, et alors? Non mais on dirait c'est une arme, et tu regardes mes fesses? Ouais, et enfin, tu veux que je regarde quoi en fait? Enfin, on est des hommes en fait, c'est le principe en fait. C'est comme ça que le gars a envie de se reproduire et créer une famille avec toi. Enfin, s'il n'est pas attiré par ton corps, qu'est-ce que tu veux qu'il regarde? Tu veux qu'il regarde des hommes, des animaux, des dauphins? Mais même les gars, ils rentrent dans le jeu, ils se font avoir, tu vois, ils se font laver le cerveau, les meufs, elles disent, hey, tu m'as regardé, t'as osé me regarder? Ah non, non, je voulais pas te regarder, je suis désolé, non, c'est vrai, je suis un pervers, pourquoi? La meuf, elle a moitié nue avec un short qui lui rentre dans les fesses. Si t'es un homme normalement constitué, tu vas jeter un coup d'œil. Alors, je te dis pas de faire le pervers, comme ça, machin, hein, de commencer à te mettre à poil dans la rue, mais c'est juste de logique, en fait. Ça s'appelle de la biologie. Et en plus, ça très bien ce qu'elles font. Ah non, moi, je fais ça pour moi. Quand je mets un truc qui me rentre dans les fesses, hein, au plus profond hein, de mes organes qui remontent, même jusqu'ici, des fois, ça chatouille le gosier ici, même jusqu'ici, là. Oui, le tissu, il remonte. L'argument de oui, je fais ça pour moi, enfin, à d'autres, quoi. Enfin, s'il y en a qui veulent y croire, croyez, essayez de croire, les gars. Enfin, à un moment donné, vous voyez pas que vous faites manipuler. Donc oui, c'est normal. Je sais que c'est un peu compliqué de le dire dans ce genre de... en ce moment, hein, dans le monde de fou dans lequel on vit. Mais c'est normal qu'un homme regarde une femme. C'est normal qu'un homme soit attiré par les femmes. Je sais que c'est plus trop à la mode.
Voilà, mais il y a encore certains hommes qui sont attirés par les femmes. J'espère que choquer personne. Voilà, hein. Donc du coup, Géraldine, elle a réagi par rapport à la vidéo que Joey il a fait. Since I'm the topic of the Swole Patrol right now, I feel like this needs to be addressed. So at the end of the day, I posted what I posted. I did not need to zoom in on that man. I take full accountability for that. I don't know who he is. However, the video was taken very much out of context and misinterpreted. Stop the cap. My caption had nothing to do with me being uncomfortable that this man was walking by. I wasn't saying he was sexualizing me. I did not call him a p***o. None of these words were used. I'm not that type of person, as much as you guys think you know me. But at the end of the day, the road does go both ways on accountability. And you know that your followers are spewing hate, because I know that article came out in February of 23 of a girl getting death threats because of a video that you reposted that she posted. Should she have posted that as well? Probably not, but at the end of the day, she did. If you want us to take accountability, I'm doing that right now. Not really. But your fan base should take accountability too, if you're gonna claim to be the CEO of positivity, yet your followers are spewing negativity and hatred. So as you say, do better. Respect. Ouais, mais tu dis que tu prends tes responsabilités, mais tu comportes encore comme une victime, là. Tu fais encore la victime. Donc en fait, t'assumes pas, en fait. T'as posté tes fesses sur Internet en voulant... sous-entendre que le gars c'est un pervers parce qu'il a jeté un coup d'œil alors que t'es super loin, soi-disant parce qu'il aurait regardé tes fesses parce que tu voulais juste vérifier que est-ce que j'ai prié ou pas des fesses ou pas. Ben regarde chez toi alors, t'es dans un lieu public, et même s'il avait regardé tes fesses, et alors lui aussi il veut voir si jamais t'as pris ou pas, enfin tu vois. En plus tu postes, tu fais une vidéo pour la poster sur Internet en plus, donc pas de problème pour regarder sur Internet, mais pas en vrai. Donc tu voulais l'attention, tu voulais afficher le gars qui peut, je rappelle, ruiner, qu'il l'a déjà fait, ça a déjà ruiné la vie des gens. Ça te pose pas souci quand tes copines, toutes les Géraldines et ses cousines et ses nièces, elles mettent des commentaires. Ah ouais, c'est vrai, on peut même plus aller à la salle tranquille, oh là là, vraiment que des pervers, ah là là, ah là. Ça c'est bon pour toi, ça tu kiffes. Mais par contre, quand c'est les autres gars qui te font comprendre, bah non, c'est abusé ce que tu fais et que ça peut ruiner la vie des gens, en plus c'est pas vrai, et en plus tu mens, en plus en gros, hein. Tu rajoutes, tu exagères, hein, leur spécialité, c'est des DJ. Hein. Là, ah ouais, j'en ai marre, contrôle tes followers. Non, il a juste exposé ta situation, point barre. T'as voulu faire une vidéo publique, eh ben, tout le monde est libre de réagir, et c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec toi. Voilà, on est dans un monde, non, tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Donc tout le monde à toi, ouais, entre toi et ta cousine Géraldine, ouais, c'est sûr. Vous parlez entre vous, ouais, c'est vrai que c'est des pervers. Ouais, t'as raison, ouais, c'est des pervers, ouais, c'est sûr. Voilà, entre vous. Mais là, quand tu commences à être ouverte à d'autres, là, tu vois que peut-être que tu n'as peut-être pas raison. Donc, il t'a juste donné plus de visibilité avec toutes les conséquences qui vont avec. Donc, c'est ce que tu voulais. Donc, arrête de chialer et arrête de faire ton intéressante sur Internet et de faire passer les gars des pervers parce qu'ils regardent des femmes. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. En gros, je te montre comment créer ton business en ligne étape par étape avec l'intelligence artificielle. Ok, c'est complètement gratuit avant de créer un hack. Regarde quand même. Et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que toi, c'est des situations que tu as observées à la salle? Je pense que c'est plus en Occident, parce que moi, qui voyage beaucoup en Amérique latine, même tous les autres pays où j'ai été, j'ai pas vraiment vu ça. Alors oui, les femmes, elles sont super sexy, ça c'est sûr et certain. Bon, on le sait, les femmes cherchent l'attention. Donc c'est, une fois que tu as intégré ça, tant que, en fait, ça pose pas de problème qu'elles cherchent l'attention. Tant qu'elles assument et qu'elles ne veulent pas te traiter de pervers parce que tu les regardes. Des fois, il y a des meufs, elles ont des longs t-shirts, mais comme c'est trop long, elles laissent long devant, mais derrière, elles le retroussent pour qu'on voit les fesses. Enfin, à un moment donné, voilà. Bref, en tout cas, moi, je n'ai pas vu de meufs qui faisaient de la romaline en Amérique latine. Mais dis-moi, toi, si tu as observé ça. En Occident, je sais que... Ah. Donc c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis à ton camp. Ce nouveau outil vidéo avec intelligence artificielle donne vie à toutes mes idées en quelques secondes. Laissez-moi vous montrer. On va dire que je suis un vrai amateur de bonne cuisine. Alors je vais créer une vidéo sur les bons plats délicieux. Tout d'abord, je vais sur un bouton vidéo. Et là, je vais écrire quelque chose comme comment faire des bons plats français. Je choisis la voix, le format, si c'est sur YouTube, sur Instagram. Je clique et littéralement en quelques secondes, regardez ça. Une belle vidéo prête à être diffusée. Ça m'a pris quelques minutes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est si jamais je veux personnaliser et faire des changements, je
je peux le faire. Par exemple, si jamais je veux modifier la première phrase, je clique sur éditer, je modifie la phrase. Si je veux changer aussi la vidéo d'introduction, je peux aussi le faire. Je peux changer d'ailleurs toutes les vidéos. Je vais sur éditer, ensuite je choisis la vidéo que je veux changer, je cherche dans la bibliothèque une autre vidéo, je la remplace, appliquer les changements et regardez ça, une vidéo magnifique. Avec tous les changements pris en compte, ce site fait gagner énormément de temps. Et comme vous pouvez le constater, il propose des vidéos incroyables qui sont prêtes à être publiées sur n'importe quel réseau social. Allez, jetez un œil et profitez de 7 jours gratuits pour pouvoir tester l'application.